Le journalier à zéro. Et on va voir à la fin de la journée. Ah, j'avais fait 513 la semaine dernière. Voilà, là on est remis à zéro. Et on va voir ce soir. Ça va encore faire une journée à 250 km. Oui, alors atelier 148 à Jeanlin. Travail très soigné, selle sur mesure, mais les prix, ça pique un peu. Hein. Donc je file à Valenciennes chez Honda, comparer les prix, les prix des selles. Bon alors qu'est-ce qu'il dit le GPS? Bon, me voilà arrivé dans l'île. Maintenant il faut trouver le restaurant japonais. Alors le GPS, qu'est-ce qu'il dit? 1,5 km. Donc j'ai fait un peu la tournée des Grands Ducs. Hein. Je suis allé chez Honda. Des renseignements pour une selle confort éventuellement. Faire un devis. Je suis passé d'abord je suis allé à Jeanlin. Atelier 145, 148. C'est un sellier. C'est un sellier qui travaille sur mesure. Travail remarquable, mais bon, ça pique. Hein. Fait sur mesure. Avec les lignes de fuite sur la moto, etc. Je suis passé chez Honda. Après, je suis reparti sur la Sentinelle à Daffy. Et puis maintenant, me v'là à Lille. Alors, je fais une surprise à Elisabeth. Elle est partie manger au resto avec sa maman qui revient de Berck. Moi je suis pas censé être là, je suis censé être à Maubeuge. On lui a rien dit du tout et je vais les attendre devant le resto. Elle sait pas du tout que je viens. Qui a dit qu'une pan-européenne 1300 était trop lourde pour la ville? Moi je me promène en place centre-ville de Lille. Bon après il faut le gabarit pour aussi hein. Si vous mesurez 1m60, ça va pas le faire. Bon, apparemment, on tourne à gauche. Putain, regardez à côté de quoi je me gare. C'est une FJR, ça? Oh putain! Une FJR. Fantastique. Je pourrais pas ouvrir mes sacoches.